Luxation de l'épaule, 3 semaines d'arrêt. 3 semaines de cicatrisation et 3 semaines de réduction, donc ça fait 6. Donc c'est quoi, enfin, c'est... C'est l'épaule qui est sortie, ouais, qui ont rentré après. Et... Fini. C'est dur à ce moment de la saison, quoi. Ouais, on a buté. L'année dernière, c'était la déchirure. Hein. C'est vrai. Je te souhaite bon courage. Ouais, merci. Ça va Louis ce matin? Ça va, ça va. On a pas mal bossé là sur la communication en défense. C'est intéressant et sur aussi quelques lancements pour commencer à préparer le match contre Bourgoin. Il faut absolument gagner. Voilà. Encore une fois, ça a bien joué vendredi soir de votre côté. Hein. Ouais, après c'est sur des détails, mais je pense que collectivement on est de mieux en mieux. Voilà, faut que ce week-end ça finisse par payer. Quoi. Bon, j'y vais, je vais en muscler. À tout le monde. Quand tu as fait, tu me fais à l'intérieur. Ouais, ok. Programme de Marika, aujourd'hui c'est sa première séance de reprise course. Voilà. D'accord. Alors il fait juste un petit peu de course avec un peu d'appui et voilà. C'est tranquille, tranquille, tranquille si ça prend bien. Tranquille, bon. Tu as 10 minutes à faire comme ça. Pop, 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 doucement. Je te montre à l'autre. Attention, on change de sens. Tourne. Go. Go. Comme ça. Ouais. Allez, go. Allez. Pourquoi on a dû faire un footing sans rien. Dire courir bêtement sur la pelouse. Tu remets un peu d'appui. T'es essoufflé? Un peu. Allez, je rentre, je sors sur le coup. Ah. Il reste 40 secondes, ce que tu veux, go! Allez, on monte le rythme. Top! Allez, c'est bien, 20 minutes. Merci, Franck. Oh là là. On fait un petit stretching dans la chambre muscule ou quoi? Oui. Ok. C'est important d'avoir
d'avoir un bon ressenti avec les joueurs, que les joueurs soient capables de venir te parler. Et après, on peut le faire remonter au coach. Mais le but aussi, c'est de faire remonter au coach l'essentiel, quoi. Pas des fois, pas tout dire. Parce que des fois, ils ont des états d'âme et qu'ils doivent rester entre nous. Si le joueur, il est pas bien ou quoi, s'il a des problèmes de famille, des petits problèmes de santé, et tout ça, on peut en discuter. On en discute, ou même des problèmes financiers, quoi. Ouais. Mais le but, c'est qu'ils sentent qu'il peut parler et qu'il y a un peu de confidentialité entre nous. Voilà. Après, l'important, c'est pour le bien de l'équipe, quoi. Après, s'il faut dire les choses au coach, il faut les dire. Mon parcours, je viens de l'athlétisme et dans les années 95-96, je finissais ma carrière et ils cherchaient de plus en plus de préparateurs physiques qui viennent de l'athlète. Et je suis parti dans mon premier club, ça a été la Vallée du Gapo, en Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. Je suis resté 5 ans dans ce club. En même temps, je faisais la préparation physique dans un petit club, mais c'est mon club, c'est le club du Morion qui est un quartier de Toulon. Ouais. Et 2001, quand j'ai fini à la Vallée du Gapo, je suis parti 3 années au RCT à Toulon. J'ai fait 2 années de Pro D2 et après une année où on est monté avec un titre de champion de France, une année de top 14. Et j'ai fini à Toulon l'année de top 14 et ça fait la 10e saison que je fais à Aix. J'espère une chose, que le club va se maintenir. Eh ouais. Voilà, c'est la seule chose que j'espère, parce que je pense que tout le monde bosse et tout le monde mériterait d'avoir un bon résultat à la fin de la saison. Ouais. Le truc de la plage en gros. Just your heel. C'est énorme. Le problème, c'est que Julien, il a tout oublié. Il est fort le jeune. Oui, très fort. Ils ont les moyens de réussir. Ça, c'est agréable. Quelque chose de tout bête. Par exemple, aujourd'hui, Flo, il vient de nous faire 14 reps à 115 kg au développé couché. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont fait un petit peu de musculation une fois voient de quel exercice je pars. Eh bien, il vous suffit de mettre 115 kg sur la barre et d'essayer de faire 14 répétitions d'un coup après avoir déjà travaillé. Et vous pourrez prétendre peut-être à effectuer autant de plaquages par match. Quoi. Alors, est-ce que c'est le meilleur dans cet exercice? Et on n'est pas loin, ouais. Il est le deuxième meilleur. Premier ex-aequo, on a Baptiste Ecker à 15 reps. Et à 115 toujours. À 115 toujours. Et tu as aussi à 15 reps à 115. Alan aussi, en premier, à 115. Flo, elle te vient d'où cette force surhumaine? Ah, je sais pas trop. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans mon ancien club avec le loup et je pense qu'ils m'ont appris pas mal de choses là-dessus. Du coup, voilà, c'est peut-être que ça, les performances physiques. Ouais. Sinon, après, on travaille beaucoup avec Romain Guérin sur la puissance max et ça m'a permis d'augmenter aussi les charges sur la musculation. Dans ton style de jeu, le physique est très important. Surtout en troisième lignée, où on prend beaucoup de joueurs qui sont très physiques, donc c'est important d'avoir
une bonne hygiène de vie et le corps qui va avec derrière pour subir au mieux les impacts. Et pour qui ce ballon, Claude? Pour Bastien, c'est Frédéric qui m'a demandé de le faire signer par l'équipe. C'est un petit de 5 ans qui doit faire son anniversaire aujourd'hui. C'était une semaine un peu comme les autres, ça fait plaisir. Voilà, c'est sûr qu'on a un peu plus de pression maintenant sur les matchs à la maison et ça se passe un petit peu plus. C'est maintenant pour les coups où là je pense que ça va se retrouver un gros combat devant. Mais à demain, ciao. Ciao. Peut-être. Un scoop. Réponse. Vendredi soir. C'est un match encore une fois très capital, donc voilà, c'est une grosse récompense. Je pense que c'est une marque de confiance, quoi. Ouais. Donc je trouve ça super. Ça me touche, je suis super heureux, quoi. Je peux te l'avouer, je l'étais un peu crispé, comme tout le monde devrait l'être. Je pense à toute titularisation, surtout en période critique comme on l'est cette année. Mais ouais, après voilà, je savais ce que j'avais à faire, j'avais vraiment un boulot d'éjecteur et voilà. Après, il m'a dit, des moments ça va s'ouvrir, donc après c'est l'instinct, mais il faut que tu gardes ce petit bagage folie, on a dit c'est entre nous, petit bagage folie à la maison, donc voilà, faire le job avant de mettre le feu, entre guillemets, quoi. Tu joues à la maison, t'as encore plus de pression, quoi. Les matchs à domicile, y a vraiment pas le droit à l'erreur, quoi. Depuis que je suis venu sur le t-shirt, il y a Jet qui... Ça va, Jet, hein? Ça va, hein? Ça gagne ce soir, Christmas? Il faudra, si on ne gagne pas ce soir, on n'est pas venu pour... Tu vois, quand il fait bon comme ça, on pense qu'on se détend, mais justement, ça nous motive encore plus. Est-ce qu'on reste en pro de deux?